Salut les petits loups. Donc voilà, nous sommes à Lourmarin, village provençal, classé un des plus beaux 155 villages de France. Lourmarin, village provençal qui est assez sympa, on l'a visité hier soir, donc ce matin on va faire les photos vidéo. Là vous apercevez derrière moi, là, donc ici, le château. On espère qu'on pourra le visiter parce que hier celui d'Ensuis on n'a pas pu. Voilà, donc on a une super belle journée, un beau soleil, par contre c'est pas chaud et il y a un petit peu de vent. Donc je vous reprends tout à l'heure, une fois qu'on aura fait des photos, vous me direz ce que vous en pensez. À tout à l'heure. Nous sommes devant l'entrée du château et je profite de ce petit point de vue pour faire une photo du village. Voilà, nous sommes sur la première terrasse donc du château. On aperçoit au loin donc le massif, la montagne. Et donc ici le village de Lourmarin, avec en premier plan ici donc le temple protestant. Vue du château. Depuis toujours cette fameuse terrasse. Donc on a réussi à, on a pu visiter le château. Celui-ci n'est pas fermé suite au Covid. Donc on aperçoit les deux coursives du premier et deuxième étage. Dans la salle du bas là-bas, il y a priori un documentaire sur le château. Nous sommes à l'intérieur du château dans lequel une salle a été réservée à l'exposition Albert Camus. Thank you.
des belles gargouilles hein, dans la cheminée. Donc nous sommes sur la terrasse de l'oratoire, d'où le Seigneur donnait ses ordres à ses gens plus bas. Alors ça domine bien l'Ourmarin. Oui, une vision très, très large. Le bassin avec ses carpetoy. Donc là, nous rentrons dans la cuisine. Mais dis donc, la cheminée, elle est pas... Elle est balèze, hein, la cheminée. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est immense. Les belles assiettes, les beaux plats d'époque. Bassines, les fontaines, une belle armoire. Oui, ça doit être assiqué tous les jours, ça c'est pas possible. C'est magnifique, hein. Tu as vu toutes ces assiettes avec des citrons, les mandarines, les oranges. T'as vu, c'est vraiment très beau travail. Hein. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert. Cette ancienne salle était la salle à manger. C'est devenu maintenant une salle de conférence et une salle de concert. Si je me tourne par là, vous pourrez voir le piano à queue avec une cheminée donc très, très imposante, avec le portrait du dernier propriétaire qui est décédé il y a un peu plus de 60-70 ans et qui en a fait cadeau à l'Académie des sciences d'Aix, de tout son patrimoine, c'est-à-dire le château, toutes les œuvres à l'intérieur. Voilà. Donc aujourd'hui, ça appartient à l'Académie des sciences d'Aix, en Provence. Voilà pour l'historique. Il n'avait pas d'héritier, donc il a préféré en faire don, et c'est très bien comme ça. Moyennant quoi, l'Académie doit faire une fois par an accueillir des artistes de tous bords, peintres, sculpteurs et autres, pour pouvoir s'exprimer et exposer.
Donc là, nous sommes dans la chambre d'honneur des dames. Voilà. Le paravent pour les déshabiller. Des très beaux meubles. Comme celui-ci, par exemple. Donc, voilà une vue d'ensemble de la chambre. Cette salle est magnifique. Il est noté que les matériaux sont d'origine. Il s'agit donc de la salle de réception. Il y a un beau écritoire là pour faire son courrier. À l'époque, les mails n'existaient pas. Ils sortaient la plume d'oie de leur cochine et ils écrivaient. Un très beau meuble là, qui je sais pas ce que c'est en réalité. C'est un meuble qui pouvait servir peut-être de bureau, je ne sais pas. Nous sommes dans la salle de musique, un plafond vraiment très beau, toujours des grandes cheminées, des fresques et bien sûr des instruments de musique, un piano est quelque peu original et des beaux meubles d'époque. Je suis surpris de tant de beauté alors que dans le temps il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Nous sommes ici dans la partie la plus haute du château, donc on est dans la tour au final. Voilà, donc on va redescendre tranquille. Bonjour mesdames les cartes. Oh, il y en a des belles. Elles sont balèzes, balèzes, balèzes.